Et salut tout le monde, salut YouTube, on est reparti pour du Zelda Breath of the Wild en mode expert. Du coup j'ai décidé que j'allais faire encore des quêtes, mais surtout les quêtes de sanctuaire en fait. Donc du coup j'ai décidé que j'allais faire celle à la tour Gerudo, celle donnée par Azarim, qui est lorsqu'un astre céleste nord-ouest resplendit, suit l'ombre de la tour puis décoche vers lui, l'épreuve du héros jusqu'alors endormi, des entrailles de la terre devant toi rejaillit. Jusqu'à maintenant j'ai cru que c'était le truc qu'on avait fait avec les bouboules, mais pas du tout en fait. Avec les statues et les boules, vous vous en souvenez. Mais c'est pas du tout ça en fait. L'énigme du chant ancien que vous a interprété Azarim à la tour Gerudo semble conduire tout droit à un sanctuaire antique. Ok. Donc, par contre, il faut attendre la nuit lorsqu'un astre céleste au nord-ouest resplendit. Bon, j'imagine que ça c'est la nuit. Est-ce que ça serait pas justement le fameux astre du sanctuaire? Moi je pense que si. Mais. Lui, il me dit de suivre l'ombre de la tour qui mène à un autre sanctuaire. Et il me semblait qu'il y avait une base de sanctuaire. On voyait une base de sanctuaire où je m'étais arrêté. Mais le truc, c'était pas ouvert ni montré, donc je sais pas trop. Ah merde, c'est vrai que je suis pas déguisé. Oui, ça va. Bon, j'ai quand même sauvé ton village. Hein. Pas de passe droit, quoi. J'hallucine. Alors, la petite tenue. Alors, où est-ce qu'il y a un feu? Feu. Petit feu. Marmite. Où est-ce qu'ils l'ont foutu cette marmite? J'aimerais bien juste passer le temps. Faut pas que c'est à l'extérieur. Ah tiens, on peut prier. On va en profiter pendant qu'on est là. Hop, give me cœur. Évitera qu'on se fasse one shot par des grosses attaques. Je sais pas combien de cœurs ça me pète les grosses attaques, style des linelles et tout. Très bien qu'on arrive à les tanker en fait. Moment où en mode expert tu peux tanker un coup de n'importe quelle attaque. Je pense que c'est wins. Bon. J'aimerais bien, si on veut faire la cuisine, la cuisine, comment on fait? Je sais qu'il y en a à Bazarasek, mais il y en a bien dans une grande ville quand même. Pas possible. En plus avec tous les marchands là. Pas un peu de ma gueule. J'aurais bien vu un petit feu là au milieu là. Allons voir au palais. Non. On peut y aller là. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Eh bien, je crois que je vais me rendre au bazar à sec en fait. Bon, un peu triste là, cette histoire. Bon, il doit y en avoir un quelque part, mais j'ai pas trop le goût de le chercher encore. Encore 100 ans. Choper un morse. Et allons au bazar. Putain, ce désert, va falloir qu'on le visite aussi, hein.
On n'a rien découvert encore de ce bazar. De ce désert. Il y en a avoir de la quête à faire. Et de l'endroit à découvrir. Ok. Alors, passez le temps. Là, je le vois d'ici. Attendre jusqu'à la nuit. Il va faire plus frais. Et retournons à la tour. Gerudo. Je veux le même mode de transport à Villeurbanne. Ouais, faudra des morses qui... faudra leur mettre une sacrée carapace sous le ventre là, parce que... Ils risquent de s'écorcher un petit peu sur le goudron. Et pas trop de sable à Villeurbanne. En location, morse en location. Alors, l'ombre de la tour. Parce que voilà, c'est ça là. Pour moi, ça c'est un sanctu, hein. Mais il est, je sais pas, il est caché. C'était quoi au nord-ouest? Nord-ouest? Ah ouais, mais rien à voir en fait, parce que le truc qui brillait, moi je l'avais vu là-bas en fait. Je regardais pas au bon endroit, c'est ça? Nous avons le nord, nous avons l'ouest. Nous avons le nord-ouest. C'est ça, hein? Lorsqu'un astre céleste au nord-ouest resplendit, suit l'ombre de la tour puis décoche vers lui. Ok. Pour l'instant, l'ombre de la tour, elle est où? Elle est plutôt par là. Bon, bah là c'est le nord-ouest, hein. Maintenant faut juste attendre un éclat. Patientons. J'imagine que ça va être à minuit en plus. Ah, on voit l'ombre là qui bouge. Peut-être que au moment où elle sera de l'autre côté, elle pointera là. Et ça ouvrira le sanctuaire. Possible, hein. J'aimerais bien voir cet éclat quand même. En plus, il y a un timing précis à avoir. Au secours. Sauvegarder. Bon, si tu tires en pas en quelques secondes, c'est fini. Tu peux pleurer un peu. Je sais pas trop à regarder. J'ai envie de regarder l'ombre qui se déplace. En même temps, j'ai pas envie de louper l'éclat. Ou si c'est une étoile filante, ça va être vite fait, quoi. 23h45. 23h50. Heureusement qu'on a de la musique pour nous accompagner. Hein. Pendant ce rien. C'est minuit, plus de minuit, pas d'éclat.
Et l'ombre. L'ombre continue à tourner. Elle va bientôt. Elle va être pile dessus, hein, à mon avis, c'est ça. Hein. À mon avis, l'éclat se fera que quand. Ah, c'est peut-être l'éclat de la lune. Quoi déjà? Lorsqu'un astre céleste au nord-ouest resplendit. Ouais, c'est ça. Lui, elle est bien la lune. Ouais, j'imagine qu'il faut que j'aille là-dessus. Hein. Ah, c'est exactement ça. Aïe, salut. Ouais, super. Et après, faut faire quoi? Ah! Il est plus dispo? Bah yes. Bah super. J'aurais dû sauvegarder. Sauvegarder, mais c'était un petit peu avant. Ok, donc la plateforme s'allume bien, mais ça fait pas apparaître. Ça me fait pas apparaître un truc. Voyez-les d'avance. Puis décoche vers lui. Que je décoche quoi? Une flèche? Ou c'est un moyen de dire va vers lui? Je sais pas. Décoche vers lui, l'épreuve du héros jusqu'alors endormi des entrailles de la terre devant toi rejaillit. Ok. Ok, ok, bon, on va essayer de décocher, voir si ça change quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Au moment où ça arrive. Ok, je vais sauvegarder maintenant. Quel suspense. Quel suspense. Insoutenable. On voit même pas la lune. Peut-être sur la lune, non? Non. Faudrait pas que je regarde la lune à ce moment-là pile. Peut-être ça, hein. Pas très clair tout ça, hein. Peut-être ça, hein. J'ai peut-être mal compris le truc, hein. C'est peut-être genre décoche vers elle. Vers lui ou vers elle? L'ombre de la tour puis décoche vers lui. J'imagine qu'il parle de l'astre. J'imagine que ça doit être la lune. Si c'est pas ça, bah je ne sais pas ce que ça peut être.
Ah! Ça a fonctionné! C'est ça. Je suis pas sûr de devoir la tirer, mais... Je sais pas si le fait de l'avoir tiré, ça... C'est ça qui a enclenché le truc, ou si... Il fallait rester comme ça pendant un petit moment. Ok, c'est genre... Les plateformes comme ça, du coup, je le savais pas, mais c'est une sorte d'activation de sanctuaire, du coup, ok. Enfin, je savais que c'était lié au sanctuaire, mais... Mais c'est une, ouais, c'est une plateforme d'activation, il faut y faire un truc dessus. Dans le futur, quand je verrai ça, je saurai au moins. Ok, let's go. Et du coup, est-ce que ça va être un vrai sanctuaire ou pas? Bah, ça m'étonnerait que ce soit un vrai sanctuaire, du coup. Ah bah si, oh, c'est une épreuve moyenne de force. Ok, pourquoi pas. Bon. C'est vraiment pas les trucs les plus passionnants, les épreuves, mais bon. Ouais, c'est même plutôt chiant, on va pas se mentir. Ça, c'est vraiment, ils ont pas eu trop d'idées, hein. On va mettre ces épreuves à la con, là. Le mec commence à s'enflammer. Après, c'est une épreuve moyenne, du coup, il va être assez simple. Je sais pas si l'épée ne s'active pas. Super. L'épée ne s'active pas avec les gardiens d'épreuve. Oh, t'es marrant, on l'aurait one shot quoi. Ah, quand même, il est résistant un petit peu. J'ai mal parlé de lui. Plus de flèches, moi. Est-ce qu'on aurait pas une arme électrique? On n'a pas ça? Okay. Et quand on peut lui tomber sur la gueule avec ça? Yes. Bah voilà. J'ai fait le malin. Et qui fait le malin? Meurt du gardien. Non, pas ça. Hop. Et si, hein, c'est une phrase connue. Hein. Vous connaissez pas? Fait le malin, meurt du gardien. Je vous dis rien. Moi, je pensais que je pouvais l'enchaîner avec mon espadon, mais point du tout. Je tourne autour en fait en même temps. Je passe derrière lui. Oula. Très bien. Je fais quelques dégâts là. Hein. On remarquera. On va refaire la même. Pas de raison qu'on s'arrête en si bon chemin. Ok, là c'est sa phase finale. Juste à faire ça. Et ça. Fin du game. On avait fait un peu le mariole la première fois, j'avoue. J'avoue, on a fait le mariole. J'avoue. On n'a jamais pris en photo une épée gardien 2.0. Fort étonnant. On a vraiment... On la veut vraiment. On s'en foutrait pas un petit peu de cette épée au final. On pourrait la prendre, allez. Ça aussi ?
Attends, mais est-ce que j'ai déjà combattu un gardien 2.0 quand même, rassurez-moi. Même plutôt prendre ça du coup. Moi je suis pas fan des lances en vrai, mais... Enfin c'est fort, mais... On va faire avoir un bouclier quand même. Et bah tiens, une épée des glaces. Je pense que... du coup... Le choix est fait. Prendre l'épée de glace. Le jeu a décidé pour moi. Bon, très bien. Petite épreuve de gardien. On aurait préféré un vrai... Vrai sanctuaire, quoi. Quand même, quoi. J'ai pas mal de rubis. Peut-être que j'aille m'acheter une petite tenue, je sais pas. Quelle tenue pourrait me servir? Parce qu'en fait, ouais, non, j'ai acheter tout ce qui était essentiel au final. Anti-flamme. Anti-froid. J'ai anti-chaleur. Il y a le set archéonique qu'il faut que j'achète, mais à part ça... Mais ça, il me faut des rouages, donc... pour l'instant, ça tombe à l'eau. D'ailleurs, on est à combien? J'ai pas regardé depuis... Depuis qu'on avait farmé un peu des gardiens là. Ah oui, ah oui, ah ouais, depuis qu'on a fait le temple et tout machin, on a doublé notre nos marchandises de rouage. Nice, nice. Bah ouais, parce qu'en plus il nous en fallait combien? Il nous en fallait 60. On était à 20 et quelques. Ah c'est nice ça. Mais on va pouvoir bientôt s'acheter le set complet du coup, hein, je pense. Pense. Avec les gueules que j'ai là, bon, je pense pas avoir assez de rubis par contre. Mais ça c'est pas grave. N'est qu'un détail les rubis. Les rupees. Ok, sauvegardons. Et je sais pas, allons trouver une autre... Allons faire une autre quête de Sanctu. On peut très bien aller faire une quête normale aussi je pense. Hein. Pas trop le problème. D'après une vieille histoire, des statues d'épéistes de désert Gerudo mèneraient vers un trésor caché. Ouais, ok, on peut aller faire ça. Hein. Ça m'intéresse. Ouais, ça pointe vers le village, mais... bah ouais, en plus, ouais. On va TP au village parce que... C'est vrai que les statues, elles commencent au village, donc... on va reprendre le truc du début. On va prendre la quête du tout début. D'ailleurs, l'épée qu'on peut prendre sur la statue. Hein. Mais je sais plus ce que c'est. C'est peut-être... Ah ! Et qui voilà ? Il y a... je sais plus comment il s'appelle. Le vendeur de Strum. En fait, il est de partout. Ah, je savais pas. Je vais le pointer... Et je vais faire ça, hop, comme ça je saurai qu'il est aussi ici, très bien. Oh, tu me diras, on le voit quoi. Alors, j'ai froid. Bon. Ça. Alors, où est la première statue? Dans mes souvenirs, c'était ici, mais... me serais-je trompé? Non, elle est là. Elle est là. Peut-être chiant de marcher dans le sable comme ça, là. C'est vrai que je devrais peut-être aller faire la quête. Je me souviens que j'ai la quête de... De la personne, là, qui m'avait promis des bottes pour marcher...
plus vite dans le sable. L'épée du voyageur. Le bouclier c'est un faux par contre. Ok alors, elle pointe là-bas. Allons-y. Bon, on en voit une autre là. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre avant? Un coffre? Ah mais est-ce que c'est pas un octo? Est-ce que ce coffre ne serait pas un octo? Eh ben non, un vrai coffre. Trident Gerudo. J'ai jamais vu ça. Je ne dis pas de bêtises, je crois que je n'ai jamais vu de Trident Gerudo. Ok. Ah si. J'avais déjà vu hein, en fait. Ah, ça c'est un octo alors? Octo? Oui. Ça, ça m'a fait peur. Je m'y attendais et pourtant ça m'a fait quand même peur. Ça m'a fait sursauter. J'ai plus de flèches moi. Il est où? Ah, il disparaît? Ok. Bon, moi il m'embêtera pas. Du coup l'autre elle pointait juste vers ce trésor là. Non, c'est quoi l'intitulé de la quête vraiment? D'après une vieille histoire, des statues d'épéistes du désert Gerudo mèneraient vers un trésor caché. Ok, donc quand ils sont sortables de terre, c'est un vrai coffre. Okay, nice. Entre des monstres, nous n'ouvrons que la nuit. Ah bah oui, il était là tout à l'heure et c'est vrai qu'il a disparu du coup. Ok, donc elle pointe vers là-bas. Allons-y. Les tempêtes de sable. Et des lézales. Il va falloir se battre. C'est vrai que ça ferait plus de dégâts. T'es un peu surpris de me manger ce que je viens de me manger. Par contre. Non mais par contre. Il va vraiment comme une quiche hein. Alors, on veut rejoindre ses amis et on n'y arrive pas.
Non mais... Please quoi, ils ont des timings ces trucs, c'est impressionnant. Eh ben dis donc. Ce fut assez laborieux. Putain, j'ai plus de plats. Plus de plats pétés. Comment je vais faire sans mes plats pétés? Comment je vais faire? Attends, est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction? C'était à peu près comme ça. Hein. Après, est-ce qu'elle pointait pas vers le camp? Elle m'aurait pas trompé en fait. Par contre, j'ai chaud. Maintenant, j'ai chaud. La chaleur est intense. Et ça, du coup, c'est bon, ouais. Ah non, je perds des cœurs là. Oh, vraiment des cœurs là? Mais non. J'ai pas les habits pour? Mais non. Pas possible, j'y crois pas. Ça c'est anti-flamme, c'est pas anti-chaleur. C'est pas assez anti-chaleur. Faut que je... Ah, faut peut-être que j'achète le set au-dessus. Ça coûte plus cher. Ah, ça c'est chiant ça. Ou alors il faut juste un plat en plus. Anti-chaleur. Retourner au camp. Juste là, quoi. Le cœur jaune qui ne me sert à rien, du coup. Et alors? Il y avait un coffre et je l'avais même pas vu. Les chambois, c'est pas mal. Tac, comment allumer un feu en une partie? Ou alors j'attends le soir? Ah, ça c'est une idée par contre. J'attends jusqu'à la nuit. Oh, pas trop chaud si c'est la nuit. Peut-être faire ça plutôt en fait. Pas sûr qu'il y ait quelque chose en fait. Pour encore plus de chaleur. Et au moins la nuit il fait froid. Ça par contre. La nuit est suffisante parce que bon. Il faut quand même aller dans les plus grandes montagnes avec cette tenue. Là c'est bon. Vive le désert. Où il fait froid la nuit. Alors, où en étions-nous? Ah oui. Le problème de la nuit, c'est qu'il y a ces merdes. Là. Ça tue. Attends, c'est quoi ça? Oh non, c'est juste un bout de pylône éclaté. Ok. Pas si on suit la bonne trage, hein, mais... Mais on suit. Et où est-ce qu'elle nous guide, elle? Elle nous re-guide vers la hauteur. Par là-bas.
d'où on venait en fait. Oh, mon radar. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Enfin, ma tablette Shaker est toute désorientée. Comment va-t-on faire ? Va-t-on survivre ? Je ne vois plus rien. Comment ça manquait de souffle ? Pas du tout. Tout va bien. On se calme. Hop, la prochaine statue. Salut les amis. Putain, je les kiffe. Les ailes. Les ailes squelettes, je les kiffe. Ils font l'animation de leur langue, mais ils en ont pas. Du coup, c'est trop drôle. Ok, alors, reprenons le chemin correctement. C'était par là-bas. Ok, ça continue. Juste monter. Vérifie s'il n'y a pas un truc. Eh bien non. Par là. On est où sur la... Ah oui. Bah oui. Logique. Alors par contre, il y a un... Il y a un camp les Halles. On va passer sur le côté. Ah, il y a une autre statue là-bas. Même si c'était pas trop la direction indiquée. Alors, je sais pas où ça nous emmène, mais ça nous emmène. Hein. Ah, il y a l'autre statue du coup là-bas. Est-ce que ça montrerait pas plusieurs endroits en même temps ? Si c'était le cas, ça serait relou, non ? Ah bah tiens ! Est-ce que ça serait pas ça le fameux sanctuaire ? Elle pointe où elle là ? Juste pour être sûr. Ah, elle pointe vers... Ouais, elle pointe vers là en fait. Bon. Toutes les statues mènent non pas à Rome, mais bel et bien au sanctuaire perdu. Très bien. Sanctuaire sous la carcasse de, bah, de je ne sais quelle bête d'ailleurs. Je ne sais pas quelle bête est aussi grosse dans ce jeu, mais... Dieu merci, je n'en ai pas croisé. Sanctuaire de Kimazusu. Alors du coup, est-ce que ça va être un vrai sanctuaire ? Bon, pour le trouver, les épéistes taciturnes. Je pense que ça a déjà été un bon sanctuaire juste de le trouver. Est-ce qu'il nous rajoute des épreuves ou pas ? Eh ben oui, rompre les courbes. Les courbes. Ok. On peut les choper. Qu'est-ce que c'est ça? Comment mettre l'électricité dessus? Qu'est-ce que... Ah.
Attends, mais il y a juste à choper la boule en fait, du coup. Alors, ouais, quand je dis juste. Ça a pas l'air si simple à choper en fait. Ah ouais, faut avoir un sale timing. Elle est trop haute là. Je vais jamais la voir en fait comme ça. Oh quoi? Oh! Je sais pas pourquoi, mais du coup ça a complètement changé sa trajectoire. Alors du coup, est-ce qu'il suffit de faire ça? Il suffit de faire ça. Ok, bon, on va juste aller récupérer. Ah, et en plus ça l'ouvre pour toujours. Bon. En fait, je pense que le plus dur dans ce truc, c'était juste de choper la boule au bon moment. Et en fait, il suffisait juste de l'arrêter dans sa trajectoire. Encore un cimetière. Il a quand même attaque plus plus. J'ai quand même des bonnes armes, mine de rien. Vas-y. Et ciao. Durabilité plus plus. Est-ce que j'ai les coffres? Oui, il n'y en avait qu'un. Bah très bien, nickel. Nickel, nickel. Bon, bah nickel, je pense qu'on va se laisser là-dessus, YouTube. Et au prochain épisode, on continuera un peu nos quêtes de sanctuaire. Et puis peut-être qu'on enchaînera sur les quêtes tout court, peut-être. Peut-être qu'on n'est pas. On va faire les sanctuaires, mais pas que. Faudrait bien qu'on fasse aussi des quêtes normales. Enfin bref, on verra ça au prochain épisode. Du coup, des bisous et à bientôt.